Good morgen, allez, Iden, allez, tu seras aujourd'hui le Nishmat, Moriver, Bishmol, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran, Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim Ben Sarah, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, qu'on écrit la 5 minutes éternelle, nous étudions la Sérat Menachot, Perek Dalet, Mishnah Dalet. Atmidin enan magvin et amusafin, velo amusafin magvin et atmidin, velo amusafin magvin ze et ze, lo ikrivu keves baboker, yakrivu ben arbaim. Amar Bishimone matai. בזמן שהיו הנוסים או שוגגים. אבל אם היו מזידים ולא יקריבו כבס בבוקר, לא יקריבו בין הארבעים. לא יקטירו קטורת בבוקר, יקטירו בין הארבעים. אמר רבי שמעון וכולה, הייתה קרבה בין הארבעים. שאין מחנכין את מזבח הזהב, אלא בקטורת הסמים. ולא מזבח העולה, אלא בתמיד של שחר. ולא את השולחן, אלא בלחם הפנים בשבת. ולא את המנורה, אלא בשבעה. Nerotéha ben ha'arbaim. Deux, trois sujets distincts dans la Mishnah. On commence tout d'abord la première partie, on y en traduit tout de suite. Atmidin enan magvin et amusafin. Les korbanot tmidin perpétuels que l'on faisait un le matin et un le soir, comme on lit dans la, quand on commence la tourette à Mincha, et même à Shachrit avant la tefillah en fait. Alors là-bas, alors la Mishnah m'enseigne que sache que ces korban tamid n'empêchent pas la mitzvah des moussafin, des korbanot moussaf, des suppléments que l'on fait les jours de fête, et vice-versa, velo a moussafin me akvin et a tmidin. Et les korbanot moussaf, les suppléments que l'on apporte durant les jours de fête, n'empêchent pas la réalisation de la mitzvah des tmidin. Et j'explique tout de suite. Il y a la Torah, c'est la paracha qu'on lit, le tzavet ben Israël d'Amartalem et korbanin achmin et shai. Il y a le korban tamid. Le korban perpétuel que l'on offre tous les jours, on en offre deux moutons, un le matin et un le soir. L'un ouvre la scission des korbanot de la journée et l'autre ferme. Tous les korbanot que l'on doit apporter doivent être apportés après ce korban tamid du matin et avant le korban tamid de l'après-midi. D'accord ? C'est clair ? Ça, c'est les timidim. À part ça, les moussafines maintenant, c'est des korbanot moussaf que l'on ajoute, que l'on apporte, les suppléments que l'on apporte à chaque jour de fête. Dans la parasha de Pinchas, la Torah l'a explicité pour chaque korban, par echad, aïl echad, o shne elim, selon le cas, shiva kvasim et un seir khatat, comme c'est explicité dans la parasha de Pinchas. C'est d'ailleurs la séquence que l'on lit, qu'on lit à chaque fête. Parfois, on va sortir deux sefer Torah, comme à Pessah par exemple. Chaque jour, on va lire dans la première une séquence en rapport avec Pessah, dans la deuxième, on va relire la séquence spécifique des Moussafin, parce que on lit la Torah à la place des korbanot que l'on devait apporter. Malheureusement, on n'a plus de Beth Amikdash, mais on a la Teva qui est considérée comme le Misbeach, et on a le Sefer Torah qui est considéré comme si que c'était le korban qu'on apportait. Donc on lit la paracha du Moussaf, du supplément que l'on apporte dans la journée, avant de commencer à prier ensuite la prière de Moussaf. D'accord ? En tout cas, je reviens maintenant sur les korbanot. Il y a donc deux types de korbanot, les tmidin et les moussafin. D'accord ? Les tmidin, donc c'est les korbanot perpétuels que l'on fait le matin et l'après-midi. Les moussafin, c'est les suppléments des jours de fête. La Mishnah m'enseigne, sache que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, si tu, littéralement d'abord, mais c'est faux, c'est pas comme ça qu'il va interpréter, parce que c'est pas exact, en fait. Mais littéralement, tel que c'est écrit, il semble que la Mishnah m'enseigne, en fait, que si t'as que le korban... T'as de quoi acheter le korbanot tamid uniquement, par exemple, ou matériellement, il n'y a que ça qui se présente, et bien achète le tamid, et tant pis, tu ne feras pas les moussafines aujourd'hui, tu accompliras quand même la mitzvah des tamid. Et inversement, si tu as de quoi acheter les moussafines, mais pas les tamid, ben tu achèteras les moussafines. Maintenant, l'Agma, elle explique qu'on ne parle pas de ça en réalité, parce que ce n'est pas exact, je ne sais pas exactement pourquoi. J'ai un problème, je sais pas pourquoi, dans le Barthénora et dans le... Je vais vous expliquer le problème. Tout d'abord... Qu'est-ce que l'Agma d'abord le propose? L'Agma le propose qu'on n'est pas en train de parler ici que tu vas faire l'un sans l'autre. Tu vas tout faire. Mais là, on n'est pas en train de parler du din de Kdima. Il y a des priorités. Tout le korban tamid doit être le premier le matin et le moussaf ensuite. Les harach alea ha'ola. Il y a marqué sur. Après avoir fait le tamid, tu pourras faire tous les autres korbanot. C'est déduit de la Torah, quoi. Et la Mishnah, en fait, vient renseigner, sache que ce devoir de donner priorité au korban tamid, ce n'est qu'a priori, mais a posteriori, si tu as fait le korban moussaf avant le korban tamid, tu t'es quand même acquitté. D'accord ?
C'est comme ça que c'est écrit. Maintenant, pourquoi la Gemara, ce qui me manque, c'est d'expliquer pourquoi la Gemara elle est partie changer cette donne, puisqu'en fait la Mishnah est en train d'enseigner que je peux faire le Moussaf sans le Tamid, avant même le Tamid. Alors, il en va de même aussi si je n'ai pas pu apporter le Korban Tamid aujourd'hui, que j'ai quand même accompli la mise du Moussaf. Apparemment, je ne sais pas, j'ai pas, d'après ce que j'ai vu ici, j'ai pas eu d'explication. Faudrait étudier la Gemara, mais bon. Je continue la suite de la Mishnah. Velo Hamoussafin Meagvin. Littéralement, les korbanot Moussaf ne s'empêchent pas l'un à l'autre. En réalité, sur ça, la Gemara explique, comme ce qu'on a dit juste avant, qu'on est enfin en train de parler en réalité de priorité. Soit, je m'explique. Lorsque je dois apporter des korban Moussaf, alors il y a plusieurs espèces à apporter. Un par, des élim, des gvasim, un saïr, khatat. Il y a des halachot, tu apportes toujours le khatat avant, les holot, et il y a des, comme on apprenait d'ailleurs, dans Zvachim, il y avait le Perek Kol Atadir Mechavero, Kodem Atchavero, là-bas, il y avait tous les ordres de priorité. Il y a des ordres de priorité. Et bien la Mishnah vient et m'enseigne. Sache que ces ordres de priorité, c'est a priori. Mais a posteriori, si toutefois tu as commencé à faire les holot des sept Kvasim qui étaient en dernière position en théorie, tu les as fait en tout premier, sache que tu t'acquittes quand même de la mitzvah. D'accord? On parle que de l'ordre. Maintenant, si toutefois tu as. Je t'avais demandé d'apporter 11 korbanot, par exemple. Un par, deux élim, et sept kvasim, et en plus de ça, un seir khatat. Maintenant, tu n'as pas réussi à tous les avoir, mais juste certains, est-ce que tu pourras quand même accomplir ta mitzvah? Sur ça, il y aura quelques différences selon les fêtes. C'est explicité, en fait, dans la Mishnah Bet. Là-bas, c'était le long Tosot Yom Tov qu'on avait évoqué. Où là-bas, il y a une différence en fait, entre Soukhot et Pessah. À Soukhot, tous les korbanot empêchent. Il faut nécessairement faire tout ce groupe de korbanot, tout ce que la Torah a explicité. Sinon, si l'on manque même un, tu n'accomplis plus la mitzvah du korbanot de Moussaf. Tandis que dans les autres fêtes, même si tu ne les as pas tous, tu feras ce que tu as et tu accompliras quand même la mitzvah. D'accord, c'est clair? Donc en fait, je récapitule très rapidement. On est en train de parler du korban tamid et des Moussaf. L'un n'empêche pas, on ne parle que de l'ordre dans la Mishnah. Il y a certes des ordres de priorité, mais a posteriori, si les ordres de priorité ne sont pas respectés, tu as quand même accompli ta mitzvah. En l'occurrence, on a comparé deux situations, le korban tamid avec les moussafines, et inversement, même si tu dois faire le tamid avant les moussafines, si tu as fait moussaf avant, tu t'es quand même acquitté. Et aussi, on a parlé des moussafines, vlo moussafin magvin zedze, que les espèces, même s'il y a un ordre de priorité, comment les faire en hola ou en khatat, selon les règles, si tu les inversais, tu t'as quitté ta mitzvah. On passe à présent dans un autre sujet. Elle est compliquée, cette suite de la Mishnah. Vous devez d'ailleurs constater la longueur du Barthénora, qui est très 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 long, parce qu'en réalité, il y a plein de bugs dans la Mishnah, et la Gemara conclut qu'il faut rajouter plein de phrases à l'intérieur de la Mishnah. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est présenter de manière très rapide les mots, quoi, sans essayer de comprendre exactement sur quoi ils discutent, parce qu'on ne va pas pouvoir. On va arriver au bout de la Mishnah, on va refaire de l'ordre, d'accord? Il y a quelques petits éléments à d'abord bien mettre en évidence. Lo ikrivu keves baboker, yikrivu ben arbaim. Tout d'abord, le sujet de la Mishnah, maintenant, il est de m'enseigner. Je t'ai dit que le korban tamid, il y en a deux, un le matin et un l'après-midi. Les deux, ça forme une paire qui devrait être indissociable en théorie. Donc, qu'est-ce qui se passe si maintenant le matin, tu n'as pas pu faire le korban tamid, il y a eu un problème, on n'a pas fait le korban tamid du matin, on a passé la quatrième heure, c'est fini, on ne peut plus offrir le korban tamid après, on est limité dans le temps, comme la tefila de Shachrit, on est limité jusqu'à la fin de la quatrième heure. Alors la même chose pour le korban tamid, parce que Shachrit, ça va en rapport avec le korban tamid du matin. Et donc, on n'a pas pu le faire, il y a eu des graves problèmes, concrètement, ce n'était pas réalisable. L'après-midi, maintenant, on a, en fin de journée, le korban tamid chez Ben Arbaim, à faire en théorie. Est-ce qu'on pourra le faire si on n'a pas fait celui du matin? La Mishnah enseigne, oui. D'accord? Lo ikrivu keves baboker, sinon on peut faire le mouton du matin du korban tamid, ikrivu ben arbaim, ils pourront quand même faire le korban tamid de l'après-midi. Ok. Maintenant, la Mishnah continue en me disant, Amar Rabbi Shimon m'enseigne, et matai, dans quel cas je te permets de faire que le korban de l'après-midi, bisman chayu anusim oshogimin, dans le cas où ils n'ont pas été fautifs, c'était malencontreusement non réalisé, ou ils se sont trompés, peu importe. Aval im hayu mezidin, mais si c'était volontairement qu'ils ont dit aujourd'hui, on ne fait pas de campagne. Ouais. Alors, velo ikrivu keves baboker, ils n'ont pas fait le mouton du matin du korban tamid.
Lo yakrivu ben arbaim, ils ne pourront plus faire le korban l'après-midi. D'accord ? Donc, très rapidement, retenez la donnée pour le moment. Tanakama, on a du mal à comprendre ce qui discute ou ce qui ne discute pas d'ailleurs. Là, on parle donc du cas où on n'a pas fait le korban tamid du matin. Tanakama me dit, tu pourras quand même faire celui d'après-midi. Rabbi Shimon vient et me dit, attention, que dans le cas où il n'était pas fautif, ça n'a pas été volontaire. Mais si c'était volontairement de ne pas le faire, ils ne pourront plus faire celui d'après-midi. Même principe maintenant avec la Ktoret. La Ktoret, c'est l'encens. Le matin, et il y avait un ordre bien précis des mitzvot à faire le matin. Il y avait le Korban Tamid, il y avait la Tavata Nerot, ranger les Nerot de la Menorah. D'après le Rambam, il faut rallumer les Nerot du Bar Tanora alors. Et aussi faire brûler l'encens. L'encens, c'est un mané par jour, Machatzito Baboker ou Machatzito Ba'erev. C'est explicité dans le Pasuk. D'accord ? Machatzito Baboker ou Machatzito Ba'erev. Un mané, la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Bug, ce matin, on n'a pas fait brûler la Ktoret. Il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'on fait ? La Mishnah m'enseigne, eh bien, Lohik Tiru Ktoret Baboker et Aktiru Ba'erev. Si tu n'as pas fait brûler la Ktoret, l'encens le matin, tu feras quand même brûler l'encens l'après-midi. C'est une mitzvah distincte. La Omar Rabbi Shimon précise, attention. Vekula Aita Kreva Ben Arbaim. Dans ce cas-là, quand tu la feras dans l'après-midi, tu feras tout d'un coup. C'est-à-dire, je t'avais demandé initialement de faire un mané par jour. Ouais. Machatzito Baboker, Machatzito Ba'erev. Un mané, c'était une taille, une mesure de Ktoret. La moitié le matin et la moitié le soir. Si toutefois tu n'as pas fait le matin, tu prendras toute cette dose, tu la feras le soir, tu feras une double dose de Ktoret. D'accord ? C'est la vie de Rabbi Shimon. Et on a une phrase qu'on a du mal à comprendre le rapport de quoi on parle, mais on l'a traduit. She'en echanchin et amisbeach et misbeach hazav et la Ktoret hasamim, car on ne pourra inaugurer le misbeach hazav qu'avec la Ktoret de l'encens. Velo misbeach haola et la betamit shel shachar. Et tu ne peux inaugurer le Misbah Haola, le Misbah, l'hôtel de la Haola, le grand Misbah qui était dans la cour du Mishkan. Alors, Ela Betamid Shel Shachar, que avec le Tamid Shel Shachar, le Korban Tamid perpétuel, du matin spécifiquement. Velo et Ashulchan, Ela Belechem Apanim Beshabbat. Et tu ne pourras inaugurer, le mot Mechanchim il est mis en facteur, tu ne pourras inaugurer la table du Shabbat qu'uniquement avec les pains. À Shabbat. Velo et amenorah elab shiva neroteh ben arba'im. Et tu ne pourras aussi inaugurer que la menorah, c'est quoi le chandelier du Beth Amikdash, à cette branche, tu ne pourras l'inaugurer que avec les sept lumières de et en allumant l'après-midi. C'est-à-dire, je répète pour le moment la donnée telle quelle de la fin de la Mishnah. La Mishnah est venue comparer, maintenant, elle est venue me rapporter sur quatre éléments du Beth Amikdash en me disant lorsque tu veux les inaugurer. Eh bien, tu dois faire la mitzvah de la manière la plus parfaite comme il se doit. Tu veux inaugurer le misbeach hazahav, il faut que tu fasses brûler la Ktoret le matin. Tu veux inaugurer la menorah, tu dois l'allumer l'après-midi. Tu veux inaugurer la table où il y avait la palette 12 pains dans l'Echal, tu as fait une nouvelle table, on a changé, il y a eu un problème avec la première table, elle s'est cassée. Il a fallu la changer, en créer une nouvelle, tu l'as faite, maintenant il va falloir l'inaugurer. Et tu vas faire quand tu vas faire son inauguration, que le Shabbat, tu vas la mettre là-bas, et le Shabbat, c'est connu, ils vont emporter les 12 pains, et quand ils vont poser les 12 pains, ce sera là l'inauguration. Idem encore avec tout ce qui a été évoqué, donc on a le Misbeach Hazav, Misbeach Haola, Shulchan et Menorah, on les a tous dit, Baruch Hashem. Maintenant, je récapitule l'ordre de la Mishnah avec les discussions de Rabbi Shimon. On avait une première discussion avec, s'il n'y a pas eu le Korban, Tamid du matin, tu pourras quand même faire celui d'après-midi. Rabbi Shimon me dit attention, que si tu n'étais pas fautif. La Ktoret, tu n'as pas fait la Ktoret le matin, tu feras l'après-midi. Rabbi Shimon dit attention, après-midi, double dose. Et la Mishnah conclut en me disant car l'inauguration des choses ne se fait qu'avec la mitzvah la plus parfaite, avec le Korban Tamid du matin, on a du mal à comprendre l'enchaînement. Le Bar Tanoura rallonge en rencontrant la Gemara qui nous explique qu'en fait, deux choses. Il y a un premier passage d'abord dans la paracha qu'on lit le matin. On lit tout le matin en Tzav et Ben Israël, et même à Mincha aussi. Tu feras le mouton 1, tu le feras le matin,
Et le deuxième mouton, tu le feras l'après-midi. L'insistant, la Torah a insisté un petit peu lourdement pour me dire, quand tu auras fait le matin, tu pourras faire l'après-midi. Si tu n'as pas fait le matin, donc tu ne pourras plus faire l'après-midi. Là, il y a écrit dans ce passouk que si tu n'as pas fait le korban tamid du matin, tu ne pourras pas faire celui de l'après-midi. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, il y a dans Parashat Pinchas, alors, il y a un passouk là-bas, il y a de nouveau une parasha qui se répète. Tzavet ben Israël va martalem et korbani lachmi le shayreach nichori tishmo la kevle bemado va martalem zeh shachat rikvu l'Hashem kevosim ben Hashanat tamim shnem la yom ala tamid et akeves echad ta'aseh ba'boker et akeves hashini ta'aseh ben arbaim. C'est la parasha donc qu'on lit tout le matin. À la fin de cette parasha là, il y a écrit venisko ve'itayin la keves echad ba'kodesh asher neser shachar l'Hashem, tu feras le neser, l'oblation de vin, et akeves hashini t'as assez bien à arbaïm. La Torah me répète, elle me dit, et tu feras le deuxième mouton de l'après-midi. Kemincha taboker uchnisko, même si ça a déjà été dit, ça c'est répondu, c'est pas notre problème. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que le passouk qui a commencé cette fois-ci en me disant, et le deuxième mouton, on n'a plus dit le deuxième mouton après le premier. Là, donc, lorsque la Torah me dit, tu feras un le matin et un l'après-midi, ça signifie que tu ne pourras faire l'après-midi que s'il y a eu celui du matin. Par déduction, lorsque la Torah nous dit « Et tu feras le korban de l'après-midi », je déduis que tu pourras faire le korban de l'après-midi même si tu n'as pas eu celui du matin. Contradiction. D'un côté, la Torah me dit « Tu fais l'après-midi que s'il y a eu le matin », d'un autre côté, la Torah me laisse la possibilité aussi d'offrir parfois un korban l'après-midi sans avoir apporté celui du matin. D'où la question. Et la réponse, en fait, qui se trouve à la fin de notre Mishnah, en fait, le partenaire rapporte, c'est le din de Prinour. Lorsque, il y a une grande règle, lorsqu'on va créer un nouveau clé, ça arrive, un clé qui s'est usé, qui s'est cassé au Beth Amigdash, il va falloir en faire un nouveau. Une fois qu'on l'a fait, il va falloir le rendre kadosh. Pour le rendre kadosh, il va falloir être mechanech oto, littéralement l'éduquer. Mais ça veut dire l'entrée en fonction, la mise en fonction. La mise en fonction, elle débute en faisant la mitzvah pleinement, parfaitement. De ce fait, sur ça, la Torah m'a dit. C'est sur ça que le passage se rapporte en me disant tu ne pourras faire l'après-midi que s'il y a eu le matin. Lorsque tu vas faire un chinour, tu vas vouloir inaugurer le misbéach, un nouveau misbéach. Il y a eu un problème avec le premier misbéach. Il a fallu créer un nouveau, le réparer et faire maintenant que maintenant c'est devenu un nouveau misbéach. Tu vas vouloir l'inaugurer que par le matin. Tu ne pourras pas finir les travaux l'après-midi et faire le korban du soir. C'est sur ça que s'entend le pasuk qui me dit tu feras le deuxième que s'il y a eu le premier. Tandis que de manière générale, une fois que le misbéach a déjà été inauguré, alors tu pourras le faire, même si tu n'as pas fait celui du matin, tu pourras faire celui de l'après-midi quand même. D'accord ? Ça, c'était donc pour expliquer la première partie de la Mishnah avec Barthénora en rapport avec la fin aussi de la Mishnah. Entre parenthèses, la Mishnah a donc conclu en nous repartant tout. Il en va de même pour tous les ustensiles du Beth Amigdash, la table sur laquelle on posait les 12 pains. La mitzvah parfaite, c'est le Shabbat, d'aller poser les nouveaux pains et retirer les anciens pains. Tu vas vouloir inaugurer un nouveau shulchan, tu vas devoir le faire le Shabbat en apportant les 12 nouveaux pains sur la table, le Shabbat. Idem encore, lorsque tu vas vouloir inaugurer le Mizbeach HaZahav, alors, et chacun il a sa période, Mizbeach HaZahav, lui, la mitzvah la plus parfaite, c'est celle du matin. Donc si tu as fait un nouveau Mizbeach HaZahav, il y a eu un problème avec l'ancien, tu as fait un nouveau. Et bien, pour l'inaugurer, tu devras faire le matin spécifiquement. Tandis que la menorah, toute la voda essentielle de la menorah, c'est de l'allumer la nuit pour qu'elle éclaire toute la nuit jusqu'au petit matin. Alors de ce fait, tu pourras l'inaugurer que l'après-midi. Ça, c'était pour conclure d'abord la fin de la Mishnah, expliquer comment elle démarre à partir de la contradiction de la Mishnah. Maintenant, concrètement, à part ça, on a découvert maintenant deux discussions entre Rabbi Shimon et Tanakama. Une à propos du mouton du matin que tu n'as pas fait, que tu pourras faire celui d'après-midi. Donc on a conclu, si tu n'as pas fait celui du matin, tu pourras quand même faire celui d'après-midi. Bien, Rabbi Shimon me dit attention, c'est que s'ils ont été shogegin ou anusim, malgré eux, ils ont eu un problème à l'encontre eux, que suite à cela, ils n'ont pas fait le korban du matin. Mais s'ils ont été mezidim, ils ne pourront plus apporter celui d'après-midi. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Maintenant, l'avis de Rabbi Shimon, excusez-moi, Tanakama discute sur ça. Je pense que non, même si on était mezidim, ils pourront faire le korban. Maintenant, malgré tout, même d'après Rabbi Shimon, que s'ils ont volontairement, ils n'ont pas fait le korban, ça ne concerne que celui qui a concrètement, qui était là-bas, qui pouvait le faire, qui avait la possibilité et qui n'a pas voulu le faire. Mais si toutefois, dans l'après-midi, il y a eu de nouveaux kohanim qui sont venus, par exemple, et que eux, s'ils avaient été là le matin, ils auraient volontiers offert le korban tamid du matin, ils pourront faire le korban tamid de l'après-midi. Ok ?
Maintenant, on revient sur la discussion avec la Ktoret. C'est un peu la même idée. La Torah elle me dit, tu fais un mané tous les jours, la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Rabbi Shimon pense que un complétera l'autre. Et voilà, quoi. On peut s'arrêter là. La halakha n'est pas établie comme Rabbi Shimon dans tous les cas, mais que comme Chachamim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je suis plein de Hatzlacha Kol Tov, Salam.